Yeah! Normalement, c'est bon. Encore une fois, j'ai mis le son trop fort. Et boum! Bonsoir tout le monde. On est 4 jours. On est vendredi. Yes, on est vendredi 8. Et ce soir, on se refait du Monster Hunter. Comme dit... je crois que j'ai oublié de mettre la rediff, d'ailleurs. Comme dit dans le stream précédent... Pas de Sea of Thieves ce soir, ça sera certainement mardi ou vendredi prochain. Donc ce soir, on se retrouve encore une fois sur du Monster Hunter et on va éclater des trucs. J'ai dit que qu'on allait faire l'histoire, qu'on allait avancer un petit peu histoire de débloquer des monstres un peu plus gros et un peu plus majestueux à éclater. Parce que nous, on chasse, c'est pour les trophées. Non, on chasse pour se nourrir. la dernière fois, bah, j'avais fait une quête... Une quête de l'histoire, d'ailleurs, je crois. Qu'est-ce que c'était? Non, je m'en fous. Ouf, allez, recherche rapide. On avait fait quoi comme histoire? On avait chassé... Si! Le... truc, là, qui ressemble au monstre d'Avatar. Le Legiana. On a fait le Legiana Tempête. Cyclone. Typhon. Je sais plus. Le Legiana plus fort qu'un Legiana normal. On avait bien galéré en plus. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir après, j'avoue. Je sais qu'il va falloir re-éclater le dragon ancien de glace, si je dis pas de bêtises. Comment il s'appelle lui aussi? J'ai un problème avec les noms. Comment il s'appelle celui qui fait de la glace? Le Xenogiva. Non, rien à voir. Le Charivalta? Non, rien à voir non plus. Le... Ah, putain! Bon, le dragon ancien qui fait de la glace. Il faut que je l'éclate, parce que je ne l'ai pas encore vaincu. Et après, bien sûr, il y aura tous les gros dragons anciens qui vont en découler. Genre le gros dragon rouge, là, qui ressemble au Xenogiva, mais en rouge. L'autre, là, qui est en pierre. Enfin bon, tout cela, je les ai pas fait. Et j'ai envie de débloquer le Fatalis, parce que je veux faire le Fatalis... en stream. Ça va être bon, ça. Ça, je vais aimer. Mais en attendant, bah, faut qu'on avance un peu. Ce serait bien. Est-ce que c'est bien cadré? Ouh, la grosse main. Yes. Il manque pas un bout de mes cheveux? Ouh, ah, non, c'est bon. Niveau son, on est bon. Niveau chat, il y a personne, comme d'habitude. Je pense que le jour où j'aurai du meilleur matos, il y aura déjà plus de monde. Parce que je pense que rien que voir l'image là... Les gens, ils voient ça, ils font « Ah, le stream, il est dégueulasse. Allez, next. » Enfin bon. C'est le début. Peut-être qu'un jour, il y aura un peu plus de monde. Mais pour l'instant, il y a moi. C'est déjà bien, je suis là. Et puis le jour où j'aurai un ordinateur aussi, ça chargera plus vite. Ah. Velkana! Voilà, merci. Yes. Yes. Ouais, elle se fait engueuler parce que du coup elle s'est mise en danger. Voilà, et puis on a dit que le Velkana il était dans le givre éternel. Et qu'il faut qu'on aille lui péter la gueule. Ah oui, et là il faut que j'aille éclater du coup un truc qui ressemble à un tyrannosaure. Mais putain, mais comment ça... J'ai vraiment un problème avec les noms. Comment il s'appelle ce connard? Le... Je m'abandonne. Vas-y, c'est bon. L'Anjanat! Putain, je l'ai! L'Anjanat tonnerre, il faut que j'aille éclater. Capturer un Tigrex. Ok. Il faut que je vis. Il ramène de la fourrure Anjanat. Ok.
Ça tombe bien. De la boue, ouais. De la fourrure Paolumu. Non mais tu veux pas toutes me les donner d'un coup? Éclat la vasiote. Ouais, ça j'en ai ça. Une serre de glace noire. Safari. Prendre tout, yes. J'adore la musique quand on est dans cette petite ville. Entraînement, safari. Extension et bonus. Non, pas safari. Oh, il y a un Aryakuga ici. Oh là, il y a un Tigrex en bas. Oh là, il y a un Legiana tempête machin, plus un Tigrex. Ah bon, on va partir là-haut. Yes, allez. Je vous envoie la mort, hein, les gars. Y a pas de... vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je te gêne? Est-ce que je te gêne? Mais visiblement, oui. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas revenu dans ce petit village là, je sais comment il s'appelle. Yes, dévotion énergétique. Ah, il y a Madame Chat. Bonjour Madame Chat. Oh, alors elle, quand elle cuisine, c'est tellement appétissant. Oh là là. Oh le gratin. Oh le bœuf. La crème. La crème spéciale. Oh putain de merde. Et la binouze. On n'oublie jamais la binouze. Et elle avait une mission à me donner aussi. Bah, il y a un escalier, mais je peux pas passer. Capturer un bambaro, ok. Ok, je regarde s'il y a d'autres quêtes. Hein. S'il y a d'autres points d'exclamation. Ah, il y en a un. Ah non, pas elle. De toute façon, personne n'utilise ce truc. Ouais, chasser une ration. Tuer tous les... Ouais, génial. Personne ne fait jamais appel à l'alchimiste, de toute façon. Ça sert à rien. Ah, tiens. Ah, t'étais là, papy. Ouais, bla 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 bla. Est-ce que je peux pas améliorer certaines armes? Parce que j'ai l'impression que je manque encore de puissance. Parce que depuis tout à l'heure... Enfin, depuis tout à l'heure, depuis la dernière fois, j'ai fait qu'améliorer mes armures, mais... Ouah, non, celui-là, je l'ai déjà... Qu'est-ce que je peux améliorer? Mâchoire d'ogre que je peux améliorer en agito du tigre. 1200! Ah! Ah oui, effectivement, ça fait mal. 1200. Alors par contre, affinité, moins 20%. Alors moins 20%, mais... Ah bah non, pas de bonus de défense, pardon. Mais je peux lui donner de l'explosion. Ah putain, ça me donne envie quand même. 1200. Allez, vas-y. Ah, le son. La puissance avant tout. Obtenez 5 armes très rares. Fort. Lui. Je voulais l'améliorer en Valazac. Mais je peux pas. Et ouais, j'ai aussi des armes en double, en triple et en... Oh, j'ai un bouton qui marche plus.
Oh mais vas-y, cette soirée ça va être génial si j'ai un bouton qui marche pas. Je peux vraiment améliorer aucune. Je peux faire le katana Mizuki. Les chatons de fer. Ah génial. Exterminateur. En Xenogiva et en Ergigante. J'appuie doucement. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai envie de voir à quoi ressemble l'armure en Legiana Tempête là. Je me demande à quoi elle ressemble. Pourquoi tu m'as pas donné la quête tout à l'heure? Ah, c'est bon. Je suis en train de me dire non, lui aussi il va me donner 20 milliards de quêtes. Artemis c'est moche, ça c'est moche, ça c'est rigolo. Mais c'est pas ça que je cherche. Ah, Legiana Blizzard. Je veux voir à quoi ça ressemble. Oh ça va. Bon à part qu'il y a. Ouais, t'as des ailes de papillon un peu. Et l'autre. Ah, celle-là, elle est mieux. Celle-là est mieux. Et la Legiana tout court ressemble à. Oh, oh, oh. Mmh, ça va, c'est joli, ça, ça c'est joli. Et bah ça là me fait penser à une armure de Final Fantasy. Bon en même temps c'est pas étonnant hein. On sait qui c'est qui a fait le jeu. Oh putain. Celle-là elle est stylée aussi. Ah oh, mais celle-là elle est stylée aussi. Ah putain j'en ai des nouvelles que j'avais même pas vues en fait. Artion, c'est quoi? Ouais, c'est un bout de métal en fait. Ah mais on dirait un mec qui va dans l'espace. Je suis un cyborg, ça y est. Et sinon le reste ouais c'est caca. Ok. Alors par contre pour combattre un Danjanat, merci. Pour combattre un Danjanat, je vais pas garder ça. Qui résiste le mieux à la foudre? 5. 18, mais il manque des morceaux. Moins 15. Bien, j'ai aucune armure qui résiste à la foudre. Comme ça. Et Michel, tu me fais pas une ristourne sur l'armure Non? C'est laquelle que j'avais commencé à faire? C'est la, la Damascus? Non. Oh, oh celle-là je crois elle est trop belle. Oh oui. Oh oui monsieur. Oh mais celle-là elle est magnifique aussi. Bon lingot. Ah non c'est la lingot que j'avais commencé à faire. Ah c'est possible. Et du coup j'avais. Il me manquait ça. Et ta gueule papy. Non! Bon, c'est pas grave. Yes. Et pour faire ça, il me faudrait de la bathycite. Je sais pas ce que c'est. Ah, je suis en robe. Ah, mais c'est ainsi. Eh ben là, l'alchimie, elle va avoir une utilité. Alors. Objet à créer. Cristal pur. Oh, c'est bien, elle me le propose pas. J'adore la musique. Par contre, tu m'aides pas là. Ticket Cosmos. Mmh.
oui, ils ont quand même... elle a quand même rajouté des sacrés objets. Mais c'est dommage, il me manque juste un bout de mon armure. Pour avoir une armure lingot. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va d'abord farfouiller histoire de pouvoir la finir? Je me tâte en vrai. Je me tâte, on va voir. Parce que là, du coup, si je regarde. La Damascus. Non, c'est la lingot, pardon. Il me manque un bout. Ça me fait quand même 25 de protection à la foudre. Ça va peut-être suffire. Bon, on va voir. Il m'en faut 3, essayer de la béotine, truc. Bon, on va y aller, on verra bien. Si je la trouve sur le chemin, je ferai demi-tour. Sinon, je lui pèterai la gueule et puis basta. Alors, il faut savoir que je déteste les anjanates. Parce qu'ils sont trop gros et qu'on peut pas les taper. J'ai juste un bout de mâchoire de tigrex, mais ils appellent ça une épée. Que l'Anjanat. Déjà que celui de feu, il est relou. J'ai jamais combattu de suite foudre, sauf une fois où je l'ai croisé pendant une expédition. Mais je l'ai pas combattu longtemps. Hein. Je l'ai vu, je suis parti très vite, très très vite. Je sais qu'il fait à peu près les mêmes attaques, sauf qu'il crache de la foudre au lieu de cracher du feu, déjà. Et que je crois qu'il crache aussi d'un espèce de mucus violet de son nez. Oui, allô? Bon, lui, il l'a planté ou comment ça se passe? Et on n'oublie pas le chargement aussi après. Voilà. Parce que un chargement, c'est bien. Mais deux chargements, c'est mieux. Surtout quand ils durent 20 ans chacun. Je sais pas où est-ce que je pourrais. Ah si, bah si. Maintenant, du coup, que j'ai la zone qui s'est ouverte. Là où il y avait le Legiana tempête, cyclone, truc. Blizzard. Je sais plus. Enfin, là où il y avait le chef des Legiana, c'est un endroit un peu en hauteur, genre un peu. Oui, oui, bah tais-toi, toi. Il y a. C'est un côté un peu montagneux, rocailleux. Donc ça serait peut-être intéressant d'aller voir là-bas. Ok, on est parti. Plush, 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 plush. Un scarabée des neiges. Je le tatane. Ça, c'est pour faire des boissons chaudes. Donc, je prends. Putain, mon chat, il est toujours en Béotodus. Non, pas Béotodus. En. Comment ça s'appelle? Glavianus. Glavinus? Ou un truc comme ça. Gentil minou. Ah non, c'est vrai, je peux pas lui monter dessus, il faut que j'utilise un objet. Éclat draconique. Ouais, génial. Petite source chaude. Voilà. Cristal mystique, cristal mystique, cristal mystique. Yes.
possible, ça me donne le même. Ouais, les Grimlakin aussi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des nouvelles bestioles à attraper, ça? Ils font un bruit chelou. Ah, je peux pas lancer mon filet quand je suis en plein saut. Oh! Mais il était tout blanc, lui. C'est normal, ça? Ah, laissez-moi descendre! Alors lui, quand je vois sa tronche, je suis jamais content. Et merde. Ah non, parce que lui, il va clairement pas me laisser tranquille. Clairement pas. Putain, il m'oblige à faire le tour, quoi. Casse les couilles. C'est des cailloux, ça. Ah, mais il y a aussi des trucs à piocher, ici. Non? Si, là. Ça permet de piocher, ça. Bim. Bam. Boum. Non, toujours pas. Je me suis toujours demandé si c'était possible, genre, qu'un monstre tape ici et libère les poissons. Et genre, c'est des poissons ultra rares. Alors, j'obtiens des... Ah, il y a un Tobikadashi vipère aussi apparemment. Et il est pas loin. Il doit être juste derrière moi. Yes. Petit foudre insecte. On n'a jamais trop de foudre insecte. Ouais. Ah, c'est vrai, il y a ces espèces de petites méduses trop jolies. J'en avais attrapé plein pour les mettre chez moi. Alors, on remonte. Alors, est-ce que le Tigrex, il est parti? Ça a l'air. Oh, attends, il y a des empreintes d'un animal que je connais pas. Mais je pense savoir ce que c'est. Je viens de voir une bestiole passer là. Oui, d'accord, je viens de voir une bestiole passer. Hey, il s'approche discrètement et tout. Ça va, oui. Oh, il fuit. Peut-être à cause du Tigrex. En même temps, même moi j'ai fui devant le Tigrex. Allez, une petite larve. Croque sous la dent. Ils sont où les oiseaux? Là, c'en est un ça. Non! Oh, il y a un chemin là. Je l'avais même pas vu. En haut, ça doit être un truc avec... pour mettre une nouvelle base, non? Ah non, il y en a déjà une. Ah, très bien. Sens de l'orientation, zéro. J'ai mis mes points de compétence ailleurs. Bon bah, on remonte alors. J'aimerais en attraper un là, je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais... Oh putain, il y a un Legiana blanc qui vole là-haut, il est trop beau. Mais non!
Non, 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 non. Ouais, venez avec moi. T'es tous les piafs qui se barrent dans mon sens. Oh. Qu'est-ce que j'ai eu? Un cristal pur. Est-ce que c'est rare? Je ne sais pas. Il y a un Legiana là-haut. Il y en a un deuxième là. Franchement, ça c'est ma zone préférée. Genre, il y a vraiment des monstres. Oh, et là, le Legiana blanc qui vole. Il y a plein de Legiana. Ça, j'adore. Ça donne vraiment de la vie au jeu, quoi. Genre, la vie ne se limite pas. Voilà, genre les grosses empreintes de griffes, des Legiana qui se posent ici. Franchement, j'adore. Avec les carcasses. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une carcasse d'Aptonote, certainement. Vu le crâne. Voilà, ça. Ça met de la vie dans le jeu. Ça, j'aime bien. Faire apparemment un éboulement. Ouais. Mais on peut pas monter là-bas. Non, on peut pas. Mais on peut monter par là. Yes. Oh, la mandragore! Trop bien ça, la mandragore. Il y a encore un truc? Un champicoule. Alors, j'ai pas vraiment besoin de boisson fraîche pour l'instant, mais merci. Champi bleu. Et un champicoule. Et des minerais. Putain, mais je le trouve pas ce putain de. On peut pas monter là? Bah si, rien. C'est quoi ça? Ah non, c'est ça qu'on peut grimper, non? Bah non. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un trou de balle. Il doit y avoir moyen de monter là-haut en fait. Cool. Parce que je vois là un truc. Ça veut dire que c'est faisable de monter encore plus haut. Mais comment? Parce que ça, on peut pas s'y accrocher. Il y a de la glace, ouais. D'accord, on peut pas la casser. Non, on peut pas la casser. Bon, bah tant pis, hein. Mais visiblement, on peut monter encore plus haut. Si je regarde la carte. Ouais, on peut monter plus haut. Là, pour l'instant, c'est bloqué. Ah, mais c'est peut-être un rapport avec ça. Et là, je vois, il y a un truc aussi où je suis jamais allé. Ça doit peut-être être une nouvelle base. Je découvre, hein, parce que la dernière fois j'ai pas eu le temps avec le Legiana. On profite. Ah oui, alors bon. Est-ce que ça se voit que c'est le nid du Valcana? Je veux dire, à un moment donné, c'est que de la glace et c'est que de la glace dure comme lui il fait. Ouais. Oh, il y a du minerai. Où ça? Ah oui. Ah ça y est, j'ai encore froid. Du meldium. Aucune idée de ce que c'est. Ah, le tigre qui s'est passé par là. Tout, 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 tout.
Parfait. Ah, même du poisson. Pêche à l'ancienne. Un parexus de verre. Trop stylé. Franchement, la zone du givre éternel, c'est magnifique. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben c'est pareil. Bon, il est parti le Tigrex. On dirait. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux monter? Alors non. Non, à part là. Bon, il est où l'Anjanak là? Qu'est-ce que je suis pas allé voir encore comme zone? Là en bas, je suis allé voir, je crois. En vrai, je râle sur le Tigrex, mais ça me ferait vachement plus chier de tomber sur une Baryote que de tomber sur un Tigrex. Ah! Ah bah écoute, parfait. Il y a même encore des. Il y a des carottes. Ah non, c'est pas des carottes, c'est des os ou des dents. Bah, je suis tombé dessus totalement par hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait plein de. Des méduses! Pardon, c'est des limaces. Oh, un objet rare. Oh, un objet super rare! Un artefact de dragon, donc c'est de la merde. Oh! Un adjoint. Oh! Oh! Ah bah c'est encore de la merde. Eh bah, ben, l'os gelé me suffit amplement en vrai. Depuis tout à l'heure, je fais que récolter. Eh, il y a le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il ne prélève que ce dont il a besoin. J'ai envie de tirer un bon gros filet là-dedans, là. Genre comme ça, là. Paf, paf! Et là, tous ces pingouins. Attends, j'entends. J'entends du bruit là-haut. Ah oui, c'est mon album photo. Ah, mais j'avais des requêtes! J'avais complètement oublié qu'il fallait, il fallait prendre des photos. Forêt ancienne. Plateau de corail. Grande salle. Céliana. Grande salle. Grande salle. D'accord, donc il n'y a pas de photos à prendre ici. Putain, pourtant, cacher un chat dans les. Dans les pingouins, ça serait drôle. Moi, ça me ferait rire. Bon, est-ce que je vais le trouver un jour, l'autre connard? Ce serait bien à un moment donné quand même. Ouais. Ouh là là, ce que j'ai peur. Oh, un Scarlux, ça c'est bien ça. Ça, les Scarlux, je prends. Ok. Très bien.
Non, ça là-bas, j'en viens. Oh. Je prends. Il est passé par là. J'ai loupé un truc. Ah oui, j'ai loupé de la morve. Pourquoi je suis couvert de glace? C'est quoi ce malus de ces morts encore? Chauffeur, suivez ces navicioles. Ah merde. Bon bah voilà monsieur. Oh, mais il est énorme! Oh t'es un connard. Mais il est énorme, c'est quoi ce bordel? Bah, il fallait me laisser faire, monsieur. Ok, bon, ça c'est toujours les mêmes attaques. Ah oui, voilà, il crache de la mort des fois. Oh non, un abruti de chat! Bon, je m'en fous, je le tente. Oh, ok. Par contre, il est stylé, j'aime bien la couleur. Espèce de paltringue. Ah. Ah ça y est, il s'énerve. Où est mon steak à point? Il est là. Boum. Ah non, c'est pas le moment de manger en fait. Et dépêche-toi. Ouais, faut viser la queue. Souriez. Ah putain, il est trop haut encore. Ça c'est beau ça. Ah voilà, et là il met de la morve avec de la morve foudroyante. Comment j'enlève ça? Oh le bâtard, mais il vole. C'est autorisé de faire ça? Faut que je demande l'avis de l'arbitre. Je ne suis plus là. Quel connard. Mais en vrai, il a l'air cool. Il a l'air plus marrant à chasser que l'Anjanat normal. Tiens, regarde, il y a du bruit là. Voilà, comme ça je prends ça, comme ça elle disparaît pas, et comme ça je lui tatane sa gueule.
Il m'a juste becté direct. Où est mon arme, ma cape, l'autre. Là. Oh, bah très bien, paralysé. Ouais. Je suis peut-être un peu loin là. Je l'ai tenté, hein. J'étais pas si loin que ça en fait. Bon, non, là c'est impossible. Oui, hop là. Calme-toi. Ouf. Ça c'est stylé quand il fait ça. Ah, foudre insecte. Il renifle vraiment. Il renifle avant d'attaquer. Faut que j'attende une opportunité. En fait, ce qui est chiant, c'est que ses pattes ne sont pas une faiblesse. Mais, bah, c'est le seul truc que je peux taper. Aïe. Chez. T'as plus de queue. Aïe. Bon, ça l'a pas empêché de me toucher. Oh, alors là. Regarde. Bim. Fly, you fool. C'est tout. Comment ça, j'ai fait du feu? Je fais du feu avec cette arme? D'accord. C'est le jeu qui le dit, hein. Je vais pas contredire le jeu. Il est... Ah non, il est parti là-bas. Je l'ai même pas vu partir, le truc qui fait la taille de l'écran, mais... Alors, munitions, fronde, bah j'ai pu. Faudrait que j'en retrouve, vite fait. Niveau potion, je suis bon. Oh, oh, oh oui, oh, la bataille de territoire, ça va être beau, ça. Non, battez-vous territorialement, là. Voilà, battez-vous territorialement. Voilà, la petite guerre de territoire, ça nous plaît, ça. Ouh. Ouh. Oh là là. Eh, mais j'ai rien fait, moi. Ah, il se barre. Ouais, il se barre. Genre, s'il te plaît, Lanjana, t'as gagné contre le Tigrex, quoi. Aïe. Non. T'es un vilain. Où est ma potion? Où est... Ah, mais il s'est fait... Mais je lui fais aucun dégât. Depuis quand il fait de la foudre avec ses griffes? Aïe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les antécaires. C'est loin, ça. Mais où sont mes potions? Monsieur, monsieur, j'ai besoin... J'ai oublié mes potions. Monsieur, j'ai oublié mes potions. Arrêtez, s'il vous plaît. Je demande une pause. J'ai oublié mes potions. J'ai pas de potions. Non, dégage, toi, dégage. Non, non, va te faire foutre. Oh, non. Hop là. Ah, mais quel bâtard, il me suit. Ah, mais je peux... Ah. Oui, monsieur, non. Non. Je peux pas sauter jusque là, quand même. Ah, ça me rassure. Ça me rassure, quand même. Alors, on va se soigner, faut le soigner. Et coffre, inventaire, c'est bien ce que je pensais. J'ai oublié mes potions. Bon, quoique j'avais un peu de miel, j'aurais pu
Ok, et du coup, c'est quoi la touche? Je sais plus. Bon, on va le faire manuellement. Yes. Ah oui, les méga potions, bah oui. Allez. Tayo. Qu'est-ce que tu fous dans la caisse, toi? Toi, je reviens, gare à ton cul. Oh, oh, c'est magnifique. Bam! Oh, c'était beau. Mais il est magnifique, hein, avec son aileron dorsal là qui s'illumine. Voilà, ça fait des dégâts. Aucun dégât. Ah, j'ai froid. Ok. Alors, l'attaque qu'il vient de faire, elle était incroyablement stylée. Là, monsieur. C'est quoi cette attaque plus lente que tout? Respecte-moi quand même. Ah, boum insecte. Oh, tu peux pas m'en mettre une deuxième, tiens. Allez! Voilà! Oups là! Ah non, mais j'ai plus rien à lui mettre dans la gueule. Bon, tant pis. Ça marche aussi. Voilà. Le pauvre. Poursuivez-le. Ah, il y a des cailloux. Je vais le caillasse. On va se réchauffer. Ah. Oh, ça fait du bien. Alors, où est-ce qu'il est parti? Putain, j'ai même pas regardé où il était parti. Par là-bas. Il est là. Ah, mais ici en plus, je peux le foutre dans une. Tiens, je suis là. Oh, abruti! Ah, bah y'a le Tobi Kadashi aussi. Ah, si je peux leur faire faire une guerre de territoire, ça peut être rigolo. Yes.
Allez, viens. Ah, ça marche pas, ça fait pas l'éboulement. Allez, fais l'éboulement là. Ah. Ah non, j'ai cru que ça faisait un bruit sourd parce que ça allait se péter la gueule. Mais pourquoi ça fait de l'explosion des fois? Ça serait bien qu'il fasse pour ça, ça a même pas provoqué l'éboulement. Ah bah là oui. Ah. Au revoir. Ouf. Bon, normalement, je lui ai fait mal, hein, là. Ah, je suis tout froid. Je suis tout froid gelé. C'est de la merde. Ah, oh, merde. Oh. J'ai pas une baissoin là, si ça là. Yes, voilà. Oh non, il y a le Toby Kadashi qui revient. Oh, il boite. Ah, c'est bon ça. Aïe, d'accord. Bon, je pense qu'il va pas s'en sortir. Ah, le chat est sonné. Je répète, le chat est sonné. Ah, mais il y a le Tigrex qui arrive aussi. Encore? Ils vont s'en refaire une? Mais non. Franchement, j'ai espéré qu'ils se fassent tuer sur cette guerre de territoire. Ça aurait été trop cool. Franchement, c'était trop facile. Vu comment j'ai galéré sur le Legiana tempête, tornade, typhon, ouragan, je sais pas quoi là, celui-là il était relativement simple. Oh, pff, ça va, vas-y. C'est le premier que je chasse. Hein. Les Anteka, ils y étaient déjà dans le premier jeu, je crois. Voilà, les petites cornes Anteka. Par contre, j'ai toujours pas trouvé le cristal, je sais pas quoi, là, dont j'avais besoin.
tosse nasale. Ouais, alors par contre, autant j'ai eu une gemme en Jannak Tonnerre, autant là, les récompenses, j'ai eu de la merde. En vrai, cette épée que j'ai créée là, elle est overcraquée vu comment je l'ai défoncée. Je suis même pas mort. Nouvelle déco disponible pour votre chambre. Ouais. Heureusement que j'y vais jamais. J'ai oublié de les mettre. Trois petits chiens. Ouais, bon, lui, il a pris un peu tarif. Deux petits chiens. Trois petits chiens. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La ville a changé. Non? Qu'est-ce qui est... Pourquoi vous me montrez la ville, elle est différente? Ah oui, apparemment. Oh, faut que je retourne à Astera. Mais je viens de revenir. Faut de chier. Putain, ils te mettent une nouvelle ville magnifique avec une musique de ouf malade. Et la seule chose qu'ils te demandent, c'est retourne à Astrea. Retourne à la ville moche où c'est toujours la même musique. Oh, chier. Oui, bah le marché. Tu veux que j'aille où? Dans ma chambre? Et puis la manette. C'est quoi la prochaine quête d'après vous? Quel monstre du DLC j'ai pas encore chassé à part les dragons anciens? Le Rajang. Ça j'en ai pas encore chassé. Kadashi Vipère, je me le suis fait. Le Paolumu Belladone, je l'ai fait. Le Puke Puke Korai, je l'ai fait. L'Anjanat Tonnerre, je viens de le faire. Le Beotodus au lieu du Juratodus, je l'ai fait. Bah, à part le Rajang, je vois pas. Le Bambaro. C'est le deuxième que j'ai éclaté. Ouais. Putain, mais ça va, il va se calmer mon aspirateur derrière. Yes, allez, au revoir, papy. Attends, j'ai vu marqué sous-espèce Glavienus.
Et c'est déjà un nouveau monstre. Vous pouvez pas direct lui mettre une sous-espèce. En fait, si, ils peuvent. Merde, attends. Ah oui, alors j'ai oublié le l'Odogaron désastre. Et il y a un Glavenus acide. Oh. Waouh. Ok. Bah, je vais prendre l'armure Glavenus tout court. Gérer les 7. Glavenus, 8. Ouf. Voilà, là ça a de la gueule. Par contre, du coup, je vais garder mon énorme épée à 1200. Parce que niveau puissance de frappe, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Discuter entre vous le temps que le chargement est fini. Ah bah c'était plus rapide, tiens. Alors, ça. On n'oublie pas les potions ce coup-ci. Ça sert. Et. Miam, 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 miam. Maha. Alors du coup, parce que la dernière fois j'avais dit que je montrerais 2-3 trucs, mais j'ai complètement zappé. En fait, le Val Putride en entier est constitué en fait de cadavres de monstres. Bon, ça on le savait. Mais il faut savoir aussi que les monstres viennent, enfin les dragons anciens viennent dans le Nouveau Monde pour mourir. Donc c'est normal de retrouver des cadavres de dragons anciens. Moi, ce qui me fait marrer, c'est de retrouver des cadavres de dragons anciens qu'on ne combat pas. Par exemple, ce truc-là. Où est mon appareil photo? Ça, là. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est un dragon ancien. Je ne sais plus par contre de quel jeu il vient. Je crois que c'était un Monster Hunter sur Nintendo DS, si je dis pas de conneries, c'était le boss final du jeu. Et c'est le plus grand monstre connu à ce jour dans la franchise de Monster Hunter. C'était vraiment un serpent géant qui s'enroulait comme ça autour de vous, et littéralement l'arène dans laquelle vous vous battiez, c'était son corps, genre c'était ses anneaux. Et du coup là on voit vraiment son crâne. Alors on reconnaît bien son crâne parce qu'il y a ça là sur à l'arrière de sa tête. Il en a un, il en a deux, il en a trois. Et en fait il a ça tout le long de son corps sur le dos, mais c'est beaucoup plus proéminent sur le crâne. Donc là on voit bien hein, les pics qu'il a sur le nez, tout ça machin. Je vais essayer de vous trouver le nom vite fait, en espérant que ça fasse pas crash ma connexion. Je vais essayer de vous trouver le nom. Comme ça, si jamais vous voulez voir. Mais je vous promets, hein, c'est exactement ça. Hein. Oui, allez, Michel, s'il te plaît. Je sais que je t'en demande beaucoup, là, de faire deux trucs en même temps, mais je sais que tu peux le faire. Ou pas. Bon. Ah, si. Merci. Oula.
Attends, j'entends une bestiole. Et en plus, c'est un putain de Tigrex. Va te faire foutre. Voilà. Alors, comment il s'appelle? Monster Hunter. On va mettre Serpent Géant, je vais trouver le nom. Logiquement. Le Serpent King Dragon. Voilà, c'est ça, il s'appelle le Dalamadur. En plus, il a un nom incroyablement stylé. Et alors, j'ai dit que c'était un serpent, mais il a quand même des pattes. Voilà. Ouais, et c'est le roi serpent. Quel bâtard! Moi, je me casse, hein. Et donc oui, le Dalamadur, c'était le boss final d'un autre Monster Hunter. Et il était incroyablement dur à battre, hein, ça, il n'y a pas photo. Et donc, toute la carte du Val Putrid, enfin toute la zone supérieure, vous savez, vous vous promenez dans une espèce de carcasse géante comme ça, où vous pouvez casser des stalactites, qui sont des morceaux de côte, hein, et qui peuvent tomber sur le monstre, et ben justement, tout ça, ce sont des parties du Dalamadur. Genre là, ouais, on voit clairement donc le crâne au-dessus, et là on voit les espèces de petits ailerons qu'il y avait sur le dos du Dalamadur. Et si vous allez tout en bas du Val Putride, vous pouvez même voir la queue, le squelette de la queue du Dalamadur. Oui, c'est possible. Mais il faut aller tout en bas par contre. Je vais essayer d'aller vous le montrer. Parce qu'on a vu la tête, mais on peut voir la queue aussi. Oui, je sais, ça pue. Est-ce que c'est par là? Non, ça doit être encore un peu plus bas. Elle est reconnaissable entre mille, hein, la queue. On peut pas se tromper. Peut-être par là. Ah oui, alors il y a le Glavianus acide, on l'a pas oublié. Ah, contre un grand gyros en plus. Oh, ils se font défoncer. Non, moi j'ai rien fait, hein. Moi je t'ai rien fait, laisse-moi tranquille. Regarde, hop, je me barre. Est-ce que je peux récupérer des objets là-dessus? On va voir, hein. Ah ouais, j'ai un grand gyros gratuit. Ah, moi je dis pas non, hein. Mais j'aimerais juste vous montrer.
J'aimerais vous montrer la queue. Est-ce que ce serait pas ça? Non. Merde, je sais plus où elle est la queue. Oh, salut papy. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, d'accord. Il semble que la zone 1 soit la plus dangereuse. Tiens, prends ça. It's dangerous to go alone. Take this. Bah, je... Je ne me souviens plus. Merde alors. Ah, oh, ça me perturbe de ne pas retrouver. Là, peut-être. Ah, voilà, ça c'est sa queue. Où est mon appareil photo là? Voilà, ça là. Cette espèce de fourche. Comment je zoome? Vous voyez, cette espèce de fourche avec le petit truc au milieu, ça c'est la queue du Dalamadur. Donc en fait, il y a le crâne en haut et la queue en bas. Et toute la zone supérieure, tous les grands couloirs d'ossements, en fait, c'est son corps. Vous vous battez dans son corps. Voilà, même le Dalamadur vient mourir ici. Ah oui, attends, j'ai pas de requêtes dans le Val Putrid? Bah, même pas. Fous de ma gueule le jeu. Bon, voilà. Allez, maintenant on lui fait sa fête. Ah, il m'a explosé mon armure. Ah. Oh. Ah, mais il me diminue ma défense. Ah non, mais c'est de la merde ça. Ah bah je suis mort. Oh, comment je suis pas mort? Par quel miracle est-ce que je ne suis pas mort? D'accord, donc il faut pas qu'il me touche avec sa queue, visiblement. Tu peux pas prendre une baisson, espèce de connard? Bah non, il veut pas. Donc ma défense, elle est juste baissée et puis il va te faire foutre. Oh, le bâtard! Voilà, ça va être un beau combat, je sens. Allez, le chat! Oh, quel bâtard! Franchement, il est trop bien. Il se met en garde et tout avant de combattre. Eh, viens là, connard. Voilà. Ah, je crois qu'il est fâché.
Non, il a bougé. Mais tire! Ah bah oui, quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se barre. Ouais, je vais prendre une petite potion avant de continuer. Fait pas de mal. Par contre, il est passé là où je peux pas passer. Les autres, ils sont tous en train de se barrer. Bonjour monsieur. Yes, voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah mais non! Ah, j'ai plus d'endurance. Oh yes, c'est bon. Oh, son dos est extrêmement fragile. Apparemment. Le dos ou la tête. Bam! Aïe. On se casse. Au revoir. Oh, il m'a explosé ma gueule. Mais aïe! Bon, où il est? Il est toujours là-bas, hein. Eh hey, gros, viens. Hop! Mais quoi? Totalement pas d'accord. Mais. Il se fout de ma gueule lui. Oula, il va faire la toupie. Non mais il me défonce là, vas-y. Oh bah j'ai pas le choix. Hein. Oh. Bon tant pis, je suis obligé de me soigner. Si je me soignais pas, je pense que j'étais mort. Parfait, mets les pieds dans le poison. Oh, il craint le poison. Oh, puis il craint de ouf. Ouais, par contre, il balaye. Ah, il s'est un peu ralenti. Ah, il est fatigué, ouais. Ah, bon, il est pas resté. Oh! Mais le chat, il lui faut une promotion. Putain. Reviens. Le chat. Oh 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 oh. Mais tu fais quand j'appuie ou quoi?
fout de ma gueule le chat. Voilà, boum. Oh, Tigrex. Ouh, le combat entre les deux peut être stylé aussi. Ouais, je t'aide, regarde, je t'aide. Je l'ai pas touché une seule fois. Ça, je me souviens que l'autre il le faisait aussi. Aïe. Mais non, mais il me casse les couilles le chat quand même des fois. La toupie. Tout va bien. Oh, je vais péter une partie, tiens. Ah, mais c'est la tête que je vais péter. Aïe aïe aïe. Et il se coule la queue. Aïe. Mais non, mais pas moi. Quel connard. Est-ce qu'il va me poursuivre? Ah, visiblement un petit peu quand même. Mais ma vie elle a disparu. Ma vie. Ce sont mes potions normales. Ça le fait chier, hein. Ah. Si, j'ai eu le temps déguisé quand même. Ouais, ça fait toujours des dégâts en plus, hein. On va pas se plaindre. Reviens ici. Oh, je vais péter un bout de queue, tiens. Ça, c'est cool. Alors, par contre, le fait de se battre dans la zone d'acide, c'est pas cool, ça. Et je pense que c'est fait exprès. Ok. Hey, mais il me balance de l'acide, ce connard. Ah,
Mais je fais comment pour le combattre ici en fait? Je vais essayer de l'immobiliser, mais. Attends, il est où mon chat? Ah, il est là-bas. Ah, viens là. Viens par ici. Yes. Je sais pas viser. Ah, la tourbilol. Ah putain. Je l'ai vu commencer. Ah, il me cherche encore? Bah je suis là. Je suis là, regarde. Je suis juste là. Je... S'il se promène. Genre je suis même pas un danger pour lui. Reviens. Yes, j'ai eu la queue. Où il va en fait? Je sais pas où il se promène. Oh, petite capsule explosive. Avec grand plaisir. Monsieur. Monsieur, c'est pas bien de fuir la gendarmerie. Vous allez aggraver votre cas, monsieur. S'il vous plaît, revenez. Est-ce que je le chope là? Ah. 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 J'aurais peut-être pas dû là le choper. Ah si, c'est bon. Tout s'est bien passé. Hein? Mais j'ai pris des dégâts de quoi? Ah. Non. Ah mais c'est pas possible, je vais me faire tuer par les petites merdes. Vraiment? Où sont mes méga potions? Là. Merde, 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 il me suit. Ça suffit! T'es un vilain. T'es un vilain, Glavenus. Est-ce qu'il va descendre ou pas? Bah bien sûr. On sait bien. Ça fait un moment que je suis pas monté dessus, ouais. Aïe. Il a fait la même attaque que moi, sauf que là, je l'ai pris. Alors, c'est pas du tout cette potion-là qu'il fallait que je prenne, mais... C'est pas grave. Allez, on est de retour dans la course. Arrête de m'attaquer, moi. Attaque le chat, plutôt. Attaque la biscotte. Mais c'est pas possible! Eh, je vais péter un câble, reviens ici! Reviens. Enfin, c'est pas une bonne idée de se mettre sur sa queue vu qu'il attaque qu'avec la queue. J'ai tapé trop tôt. Et si j'ai pas les gadgets de mon chat pour l'immobiliser, je galère. Mais putain, mais touche-le. C'est pas possible. Voilà, viens, viens, viens. Boum.
mais même quand il est immobile, j'arrive à le louper. Oh, je suis une immense merde. Hop, disparition. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire... Le Glavenus, c'est un bretteur hors pair. Je suis pas là. Je ne suis qu'une ombre dans la nuit. Allez, on va repasser à la cave du gardien. Bonjour monsieur. Ah! Allez, tiens. Il faut qu'il arrête de faire la toupie. Mais vraiment? Bon. Bon, je lui fais un peu mal quand même là. On peut pas me dire le contraire. Ça, c'était pas loin. Ça suffit maintenant. Putain, il a l'air de pas aimer le feu quand même, hein. De t'enfuir, putain, c'est pas possible. J'ai pas que ça à faire, moi, de te poursuivre. Voilà. En plus, faut que je fasse le tour. J'ai même pas l'impression, en fait, que je lui fasse vraiment beaucoup de dégâts. Il boite pas, il a l'air à peine fatigué. Et quand j'arrive, il m'enchaîne direct. Mais monte dessus, putain! Ah, je suis empoisonné, génial. Où est mon remède? Là. Oula, oula. Là, quand il fait ça, il faut être vraiment le plus loin possible. Est-ce que je viens de gâcher une potion? Ah bah il revient, d'accord. Aïe. Oh la vache, oh la vache. Et pourquoi moi en plus? J'utilisais un petit peu plus de potions que contre le... Janat, hein. Juste un petit peu plus. Ouh, ce qu'il vient de se manger. Pas mal. Oula. Ça, c'est tellement stylé. Mais il était pas censé être fatigué en fait. J'ai plus de... Ah j'ai... Ah s'il m'en reste une. C'est ma dernière. Ça
C'était ma dernière. Vas-y, remets-lui une boum. Oh bah tiens, il y a encore le T-Rex. Oh bah ils se refont une guerre, ok. Oh, il va marcher pile dans le piège. Oh, c'est beau ça. Le T-Rex, il est toujours là, non? Ou il est parti? Ah, oh bah. Ah, bah, le T-Rex aussi, il est en rage. Très bien. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ok! Pourquoi il est en rage le T-Rex? Je lui ai rien fait! Oh mais putain, vas-y le T-Rex qui s'y met! J'ai quoi? J'ai ma cape caméléon, ouais. Et ma cape du gardien, elle est cassée. Wow! Moi je me casse, hein. Au revoir! C'était pas toi ma cible, ça ne le sera pas. Il est où du coup le Glavinus? Attends. Il est là-bas? J'ai pas vu. Pourquoi je l'ai pas vu? Ah mais non, il est en dessous. Hein? Comment je descends en dessous? Ah attends, j'ai compris où j'étais. Pardon monsieur le T-Rex, je passe. D'accord, je crois qu'il est allé dormir. Alors non, pas par là. Là c'est pour remonter. Du coup ça doit être par là, je suppose. J'espère qu'il est par là. Pas envie de le chercher pendant 107 ans non plus. Mais à mon avis, il a dû partir dormir. J'ai mis une petite pâtée. Petite. Petite, vu le peu de PV qui me reste et le peu de potions qui me reste. Ah oui, voilà. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Il est venu dormir là. Bon. Monsieur chat. Tu vas me poser une boum insecte. Et tu vas me poser une foudre insecte aussi. Ouais, je setup le piège. Voilà. Ensuite. Merde, bon je voulais. Tiens, prends-toi. Voilà, boum. Fais encore un petit pas. Voilà, parfait. J'ai ça, ouais, ça c'est bien ça. Alors toi, t'es vraiment un connard de mettre la flash ici. Aïe.
Putain, mais j'arrive pas à monter dessus, quoi. C'est abusé. Ah, voilà. Non, me fais pas tomber dans l'acide. Oh merde. Yes! Cortex glavinus acide. Éclat glavinus acide. Et crocs lourds, glavenus acide. De l'eltalite, du meldium. Je vais vite fait voir s'il n'y a pas d'autres objets à ramasser, mais... Je trouve que cette zone avec l'acide qui lui en bleu est assez jolie quand même. Franchement. Il y avait un truc à ramasser! Trop tard. Beaucoup trop tard. Oh, j'ai mis de ses patates dans la tête lui. Prendre tout. Lui. Joyeux poison. Encore. Et c'était quoi l'autre? C'était l'eau de Garon. Je sens qu'on va bien rigoler avec l'eau de Garon. Ouais, ouais, ouais. Bon, je reviens pendant que ça charge. Re. Alors, clac clac clouc, clac 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 clac. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'était pas là la dernière fois? D'accord, il me demande juste est-ce que ça va? Du coup, la question c'est comment je combats un Odogaron? Que c'est plutôt vénère un Odogaron, on va pas se mentir.
1200. Je partirais plus sur un katana quand même. Parce qu'au niveau des petits couteaux, bon. Ouais, j'ai pas grand-chose quoi. Je pourrais aussi me le tenter à l'arc, mais c'est la même chose. J'ai pas assez de bons arcs. Donc on va rester sur du bon vieux katana. 759. Pourquoi pas 759? De toute façon, j'ai pas mieux. Ouais, j'ai clairement pas mieux que 759. C'est quoi ma meilleure armure en termes de défense? Et bah, celle-là. Si on enlève la Narga Kuga qui fait 100. Ah, quoique la Narga Kuga, elle peut être intéressante! Bah oui! Puisque l'eau de Garon, il saute partout, il fait preuve d'une vitesse extrême, bah autant faire la même chose. En fait. Bah oui. Je sais que j'ai des trucs à livrer aussi. Capturer un Parexus de verre. Ah d'accord. Alors, les requêtes. Non. On s'en fout. Les contrats, non plus. C'est les livraisons alors. Nouvelle décoration. Non mais vraiment. Je m'en fous. Mais je m'en branle totalement. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu sais, c'est une question sur le pied. Bon, par contre j'étais pas tout à fait convaincu par les joyaux que j'avais mis dans cette armure. Et ça serait bien un jour de farmer un peu pour améliorer mes armes, parce que pour l'instant mes armes elles sont pas ouf. Parce que joyaux, équipement actuel. Comment je fais pour voir? Ah, mais c'est vrai qu'il y a mon palico aussi, je peux lui faire des équipements. Faut vraiment que je m'adapte. Ouais. 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 C'est dégueulasse. Ça là est marrante. Je saurais pas dire si elle est belle ou si elle est belle ou moche. Celle-là elle est dégueulasse. Elle est marrante parce que c'est un gladiateur. Celle-là elle est trop bien. Celle-là elle est adorable. Celle-là elle est dégueulasse. Celle-là elle est adorable. Genre c'est encore plus adorable. Celle-là, ouais bof. Celle-là est dégueulasse. Celle-là ça va. Celle-là me fait marrer. Celle-là, elle est cool. C'est quoi ce truc? Non, mais je déconnais quand je disais que j'étais un robot de l'espace, hein, les gars. Et c'est même pas un truc événement, hein, c'est juste parce qu'il faut trouver des fragments anciens. Oh la vache. La bariote. On dirait un petit démon, j'aime bien. Rathalos, ouais. Diablos, ouais. Legiana, ouais. Ouais. Oh, celle-là elle est stylée, c'est un spartiate. Celle-là elle est dégueulasse. Ninja! Le Glavenus. Brachydios. Oh, celle-là elle est stylée. Tigrex, classique. Oh!
Ouais, alors j'ai juste un problème avec le casque. J'ai une tenue Gajaraka? Trop bien. Aloha. Avec un chapeau de paille, ouais. Pouké Ah, j'aime bien, elle est marrante celle-là. Mialowin. Francky Féline. D'accord. Bah, je vais lui faire la tenue Nargacouga si je peux. Parce que. Ouais, en plus, il fait des attaques à distance. Hop. Et puis en plus, elle est trop stylée. Et hop là. Ninja. Alors, je vais juste. Oh, oh si, je veux voir à quoi elle ressemble quand même. Ah ouais. C'est la même, mais en plus vénère et en vert. Très bien. Elle était où là? Attends, je l'ai perdue. Elle est là. Donc moi j'ai celle-là. Changer de page, rotation, trier. Ah, un faux talon. Donc j'ai esprit Nargacouga. Ok. J'ai invulnérabilité, mais je l'ai que au niveau 4. Ça serait bien de l'avoir au niveau 5. Métabolisme, vitesse de récupération de l'endurance plus 30%, ça c'est trop bien. Bastion, ça c'est le collier. Performance optimale. Bon, il a un peu plus d'attaque. Et Traxon, merci. Ça c'est pas très important pour l'instant. Mais il me faudrait du coup performance optimale et invulnérabilité. Ok. Performance optimale et invulnérabilité. Non. Jamais vaincu, non. Non. Ah, invulnérabilité. Yes. Roi du barbecue. Ah, c'est quoi ça, mise à mort? Non, mais c'est quoi le talent mise à mort? Affinité plus 10%, bonus partie blessée plus 5%. Ah, d'accord. Puissance absolue. C'est quoi ça? Ok. Ah c'est tout, j'en ai pas plus. Gibier de potence. Marchand de sable. Chance du foreur. Détecteur. Ouh. Active l'effet. Ah, les attaques de griffes. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Ah, mais si, quoique, ça peut être vraiment très bien. Je vais le faire. Hop. C'est un bracelet. Et au niveau du coup des joyaux, je vais pas avoir de joyaux qui vont. Bon, celui-là, il va très bien avec ce que j'ai, par contre. Isolant. Machine de guerre. Sauf que machine de guerre et performance optimale, c'est pas la même. Maestro, vol d'endurance, jamais vaincu, bla 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 bla. On va bien trouver un truc. C'est quoi ça? Esprit indomptable. Ah mais je peux le mettre que niveau 1. Joyau volonté. Bizarre, maestro, botaniste, esprit indomptable.
mais non, mais c'est encore, c'est toujours la même chose en fait. Les machines de guerre. Roi de la glisse. Bon bah ouais, j'ai rien du tout. Je vais rester là-dessus. Ah mais si, putain, mais... Pourquoi j'ai un truc qui brille dans la main? Pourquoi j'ai ma main qui brille? Ah, c'est le bracelet. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc que je fais rarement. C'est améliorer mes armures. Un peu beaucoup quand même. C'est tout? Et sa défense, elle augmente pas de beaucoup, hein. Ah mais il gagne que deux niveaux. Ah. Ah oui, deux niveaux max. Très bien. C'est pas beaucoup, hein. Wow. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que je suis en train de gâcher de bonnes sphères de défense là? Merde, j'ai pas fini. De toute façon, je lui fais pas confiance, moi, à l'Odogaron. C'est quoi, c'est l'Odogaron Tourment? Je sais plus. Je sais même plus. Voilà. Bon, dans le doux, c'est devenu ma meilleure armure. Voilà. Au revoir, monsieur. Les missions, elles sont là. Et quelle heure? Bah, je pense que ça va être la dernière que je vais faire, hein, celle-là. J'ai même pas eu le temps de lire comment il s'appelait. Mauvais ami, bon ennemi. Et ce live n'est absolument pas sponsorisé par Pepsi. Même si j'en bois tout le temps. On est d'accord, la musique elle est pourrie là. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne, mais. Je veux dire, c'est vraiment. Mip, 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 mip. C'est nul. Alors que la musique de. Solenaria, l'autre là, l'autre ville de neige, elle est vachement mieux. Allez, on va aller assassiner du monstre. Enfin, chasser du monstre plutôt. J'entends des bruits bizarres. Ah non, ça vient du jeu. Avec le casque, on entend de tout nouveaux bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Allez, fais-moi à manger. Hop. Et pour ce qui est des objets... Yop, yop. Déjà, je préfère le plateau de corail. C'est un peu mieux. Et bah tiens, on va même en profiter, vu que j'ai enfin une quête dedans, voir l'album Requête. Requête. J'en ai une, deux, j'en ai deux dans le plateau de corail.
Les minoustrels du plateau de corail sont de joyeux lurons. Ils aiment interagir entre eux d'une multitude de façons. Conditions. Photo en gros plan. Photographier deux liniens maniant une arme. Ok, et l'autre? Je vois souvent photographe en gros plan, photographier un linien mais pas de dos et dressant un chamos. Zone 3, zone 8, en journée. Yes. Bah, dommage qu'il fasse nuit du coup. Par contre, je sais plus aller où. Je sais plus du tout où elle est leur base. Et j'ai oublié de reprendre des potions. Et je suis un connard, j'ai oublié de reprendre des putains de potions. C'est incroyable. Je tiens pas à la vie, je crois. Je sais plus où il est, le camp des Liniens. Là, peut-être. Non. Je vais voir au-dessus. Ça, c'est quoi? Ah putain, ouais, il y a des tyroliennes aussi, ils se sont amusés à mettre ça. Ah non, ça doit être ça le camp. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs violets qui volent là? Ah, c'est des raffinos. Alors attends, on va se téléporter ici. Hop. Donc déjà, on va faire le plein de potions avant toute chose. Premier soin plus, ration plus. Oui, mais j'ai oublié ça. Et d'ailleurs, je vais me débarrasser de ça et de ça, même de ça. Parfait, let's go. Du coup, elle était notée où leur base? Elle était notée là-bas, hein. À droite, tout au fond, à droite, tout au fond. Ok. Eh mais vous, franchement, un jour, si jamais. Oh, ça, je peux faire ça, je crois, dessus, ouais. Si vous jouez à un jeu depuis longtemps sans casque, un jour, essayez d'y jouer avec le casque. Mais vous allez découvrir des trucs. Genre là, j'entends des choses. Ben, je m'en serais pas douté, quoi. J'entends des espèces de cliquetis. Je pense que ça doit être par là-bas. On voit un peu le Val putride d'en haut. Les poissons. Les poissons moches. Faut monter par là. Puis par là. Là. Ah, je crois que je les vois sur la carte. Alors vous les voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête devant, mais sur la carte, je les vois moi. Du rare. Charbon draconique. Hop là. Et des perles. Ouh. Perles rares. Un joyau d'innocence.
Ça me rappelle le Monster Hunter dans lequel vous pouviez vous battre sous l'eau contre des bestioles aquatiques. Ah ça a dû en faire souffrir plus d'un. Ok, et après il faut que je fasse quoi? Faut qu'ils interagissent entre eux, apparemment. Mais c'est leur camp ici, non? Je crois. Vous voulez pas interagir entre vous, les petits chats là? Troubadour. Il s'appelle vraiment Troubadour. Je sais pas ce qu'ils entendent par interaction. Ou alors c'est que c'est pas leur camp. J'en sais rien. Bon. De toute façon, on est venu là pour buter. Du coup, on va très rapidement se TP. Bah là. C'est le plus près. C'est le plus simple. Allez, let's go. Où est-ce qu'il pourrait être? Eh ben. Par là. Ça c'est quoi? Ça c'est du Ligiana. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Non, ça c'est du Ligiana encore. Voilà, ça y est, j'ai sa piste. Youpi! Ah! Oh bah ça va! Elle est bien cette zone. Ah ça c'est un doudou-garou normal ça. Oh, ce qu'il lui met. Et il l'envoie dans le Valputride, dans son nid en gros. Ah, il veut son dessert. Par contre, il est vraiment stylé. Il n'y a pas photo, il est vraiment stylé. Oh bah oui. Allez, et dehors. Est-ce qu'il fait de la foudre ou est-ce qu'il fait du dragon? C'est ça ma question.
parce que normalement la foudre noire un peu comme ça, c'est pas de la foudre en fait, c'est du dragon. Aïe. Oh, il fait mal. En deux coups, il m'a enlevé mon armure. Oh, what the fuck. Yes, ça c'est bien ça. Je vais essayer de lui mettre sur la queue. Yes. Oh, il a fait... Hop là. Chez. Allez, comme ça j'ai full bonus d'attaque. Ah, je crois que je l'ai énervé. Il a fait un vieux bruit. Il a fait blanc, 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 blanc. Oups là. J'aime pas trop quand il fait ça. Non mais reste. Oh yes, bien joué le chat. Ah, il se barre. Ok. Et franchement, entre lui et le Glavinus Acide, le Glavinus Acide, il était quand même vachement plus compliqué. Hein. Non mais lui, je galère même pas, il m'a même pas touché en plus depuis tout à l'heure. Je suis choqué. Je suis choqué et déçu en même temps. Ah, bon, il y en a Arkakuga d'ailleurs. Ah bah. Bonjour monsieur le Narga. Ah, une petite guerre de territoire, on aime bien. Oh, je tape pas le bon. Le Nargakuga fuit. Vraiment. C'est impossible. Boum. Oula. Mais non, mais vraiment. En fait depuis tout à l'heure c'est... Ah si quand même. Pff, il m'a touché, il m'a rien fait. Je vois même pas dans quoi je tape, mais je tape.
J'aimerais bien lui couper la queue en fait. Ah! Ah bah là j'ai été touché là. Un petit peu. Ah! Oh bah je zazap. Ah bah c'est pas du dragon alors c'est de la foudre. Hop! Voilà, j'ai tout enlevé. Oh, putain, j'avais pas vu qu'il était au sol! Quel connard je suis. Aïe. Oh non, encore. Oh, c'est ça, casse-toi. Putain, il court vite ce bâtard. Allez, on va se le faire. Easy. Mais il est où le... Pourquoi il y a un chamos avec nous? D'accord. T'as mis lui une flèche insecte, toi. Parfait. Bam. Et toi ta queue, je pense qu'elle va pas faire long feu. Ah, oula. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait? Il me tournicote autour. Oh mais ça se voit ou pas que je suis des anciens jeux? Parce que toutes les armes que j'utilise là, c'est que des armes de l'ancien jeu. Toutes les nouvelles armes là, lance, c'est quoi? C'est le truc avec les insectes. J'arrive pas à les utiliser. Morphoage, Voltoage, Insectoglaive. Ouh, la beauté du jeu, du geste. Aïe. J'entends le Nargacou au loin. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un Odogaron désastre. Merci. Oula. Oula. Ah, je l'ai loupé totalement. Chling. Ouh. Je l'ai touché alors qu'il était pas du tout là où j'étais. Ah mes souhaits. Mais de deux, je suis mort. Ah, bonjour monsieur. Faites pas attention. Je ne fais que passer. Wow. Attends, hein? Hein? Eh, il faut pas que tu te déplaces aussi vite, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Un truc qui va me péter à la gueule là, non? Oh non! Oh bon, dommage. Ah bah, bonne nuit. Yes.
Aïe. Ouais, c'est bien d'avoir quelques besoins quand même sur soi au cas où. Wow. Aïe, mais pourquoi moi j'ai rien fait? Hop là. Non mais mets-la la cape du garde. Viens. S'il te plaît. Merci. Oh vraiment, à ce moment-là tu choisis de tomber. M'en fous, c'est ma cape. Même pas mal. Aïe. Même pas mal. En fait, contre lui, il faut garder une certaine mobilité. Aïe. Pour éviter ça, par exemple. Disparitus. Avec une petite potion derrière. Oh, oula. Calme-toi. Sois gentil, pas méchant. Est-ce que tu peux... Non, bah non, tu peux pas. Donc arrête de faire ça, en fait. Je l'ai blessé comme ça. Si je tape sur la tête, je lui ferai plus de dégâts. Oh, je le bolosse. Rattrapez-moi cette sale bête. Après, question, est-ce que pour vous c'est un chien ou un autre truc à quatre pattes? Parce que pour moi en fait il a des écailles un peu. Donc je saurais pas dire si c'est un chien ou autre chose. Par contre j'avoue qu'il est vraiment stylé. C'est... Là celui-là ils l'ont bien réussi. Ah, génial, ça s'est fait la gueule encore. Où sont mes besoins? Tiens, mets-lui. Mets-lui une comme ça. Là. On va le calmer un petit peu. Ok, alors c'est pas du tout ce que je t'ai demandé de mettre, mais c'est pas grave. Ça, ça serait bien qu'il arrête de sauter partout en fait. Ah. Ah mais du coup quand je fais une esquive normale, je suis quand même invincible. Ça c'est cool. Oula. Ouais, alors. Déjà tu vas te calmer. Voilà, oula. Aïe. Pleine tête, parfait.
Dame. Même pas mal. Aïe. Oh bah j'ai même pas vu, je l'ai même pas vu en... engager son attaque. Allez tiens, fais-toi victime. Oh vraiment. C'est pas très gentil de sa part. Qu'est-ce que... Il fait pas très chien en fait, hein. Ça fait vraiment... La façon dont il se déplace, on dirait une belette. Ouais, voilà. Tiens, calme-toi. Ah, pas mal. Ouf. Oh. Ah bah il s'est fait victime. Ah, bonjour. Excusez-moi, je vous laisse entre vous. Oh! Retenez-le parce que celui-là était beau. Hein. Pas grave, je le cale quand même. Voilà. Même pas mal. Aïe. Oh non. Bon bah je vais l'attendre, hein. Je pense qu'il va descendre. Bonjour. Au revoir. C'est pas grave, je vais l'attendre. Je te monte. Monsieur. Monsieur. S'il vous plaît. Parfait. Hop là. Hop là. Ne touche pas. Mais non, mais c'était de l'autre côté qu'il fallait taper. Donc en fait quand je fais juste une roulade, c'est considéré comme une invincibilité. Avec l'armure Nargatuga, je ne prends pas de dégâts juste en faisant une roulade. Yes. J'aimerais le finir avec le coup spécial là. Où il est. Il faudrait qu'il arrête de bouger 5 minutes. Zut, juste au moment où je le dis. Bon bah voilà, mon premier Odogaron d'espoir, pardon les chiens.
Pardon. Mon premier Haut-de-Garonne des Astres et bah franchement, un plaisir à combattre. Autant le Glavinus, franchement, bon, c'était pas très amusant. Il était stylé, mais je me suis fait défoncer la plupart du temps. Autant celui-là, non seulement il est ultra stylé, mais il est hyper agréable à combattre, surtout avec cette armure. Genre vraiment, je vous la conseille, cette armure, elle est incroyable. Vous faites une roulade, vous êtes invincible aussi. Bah voilà. Ce truc en gros plan, là. Vas-y, fais bonjour. Fais bisous à la caméra. Fais bisous. Qu'est-ce qu'ils sont moches. Le truc, il a même pas de nez. On dirait un lézard avec une tête de poisson. C'est dégueulasse. Ouais, j'ai eu pas mal de trucs, tiens. Yes. On en parle que c'est ça fait la troisième fois que je l'obtiens, ce joyau d'affilée. Alors qu'il sert foutrement rien. Haut-de-Garonne des Astres. Tac, tac. Perle d'innocence, nouvel ingrédient, langouste royale. Eh ben, je suis content. On va juste faire un peu l'histoire juste après, oui, blablablablate. Et ensuite, je pense qu'on s'arrêtera là. De toute façon, bon, encore une fois, il n'y a pas grand monde. Et vu la qualité du live, bon, ça se comprend un petit peu, hein. Puis vu la qualité de l'animateur, ça se comprend un petit peu aussi. Je ne vous en veux pas, voyons. Non, non, moi ce qui me rend triste, c'est qu'il n'y a vraiment aucune animation dans le chat. Moi j'aime bien discuter avec vous, tout ça. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à taper dans le chat, moi j'adore vous répondre. Pour moi c'est un grand plaisir. Oula, pourquoi la musique elle a changé? Il faudrait les terminer pour pouvoir repousser le Velkana. Il a déjà été signalé à proximité des portes de Celiana, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais être clair, notre mission pour l'instant est de repousser le Velkana pour protéger Celiana. La première étape consiste à faire en sorte qu'il se tienne tranquille jusqu'à ce que le Tranche Dragon soit terminé. Pour protéger Celiana et le Tranche Dragon, nous n'avons que vous, les chasseurs, et une barricade. Oui, alors, vu ce que le monstre il est capable de faire, je pense que ta petite barricade en bois elle sert à rien. La deuxième étape commencera une fois que le Tranche Dragon sera prêt. Nous l'utiliserons pour attaquer le Velkana. Une fois la construction terminée, il faudra faire le plein du Tranche Dragon pour pouvoir l'utiliser. Aide aux préparatifs de dernière minute et accepte cette quête au plus vite. Dès que tout sera prêt, tous les membres de la commission se rendront à Celiana, ne laissant qu'une poignée d'entre nous à Astrea. L'enjeu est immense, faisons en sorte que cette mission soit un succès. Oh là là. Sting, 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 sting. Moi j'aime bien aussi... C'est quoi cryptozoologie? Ah oui, bestiaire? Bestiaire grand? Ouais. Moi j'aime bien en apprendre plus sur les monstres. Genre Velkana. Briser le... Selon la légende, ce dragon ancien contrôle le froid et utilise son souffle pour invoquer de grands pics de glace. Haut-de-Garonne des Astres. Sous-espèce Haut-de-Garonne, toujours affamé, transporte souvent des proies fraîches dans sa gueule, devient fou lorsqu'il mange. Ah d'accord. Oh putain, et on peut vraiment le trouver partout en plus. Il utilise alors ses attaques élémentaires, mais le chasseur peut le toucher à la tête avec une attaque élémentaire pour le calmer. Le secret, l'empêcher de manger. Sous-espèce de Glavinus du Val Putride, un fluide corrosif a cristallisé sur sa queue qui jette de l'acide à chaque mouvement. L'acide de sa queue réduit les défenses de la cible au contact et se propage, augmentant son rayon. Raclez-le
et la lame de sa queue devient encore plus tranchante. Le wyvern au croc de foudre, une sous-espèce d'Anjanat, grâce à ses, charge ses mâchoires et sa membrane dorsale d'électricité. Une fois électrifié, sa peau durcit et ses attaques causent des dégâts élémentaires. Frappez sa tête pour dissiper la charge. Remarquez aussi son vaste territoire. Oh oui, alors je remarque. L'Egiana de givre blanc dégage un frisson glacial qui fiche sa proie, puis fond sur sa cible pour l'attaquer du haut. Des dégâts suffisants peuvent le faire tomber. Vulnérable pendant les attaques en piqué, ce qui rend les bombes barils efficaces. Le poison fonctionne également sur ce Legiana. Oh, intéressant. Oh, le Brachydios, plus jamais j'en fais un. Alors, ce coup-ci, je n'oublie pas de sauvegarder. Voilà. Comme ça, ça m'évitera de me retaper les dialogues la prochaine fois. J'ai pas une émote ninja plutôt? Kabuki. Ah ouais, d'accord. Kabuki. Ah non, le Kabuki, c'est le truc que je peux pas arrêter après. Ouais, voilà. Ouais non. Ah non, certainement pas. Oui, bon, ça, je fais du feu. Je suis un ninja. Oh, je crois que c'est le truc qui correspond le mieux à un ninja. Bon, bah écoutez, c'est sur ce dernier combat contre l'Odogaron qu'on va s'arrêter. Il y a le Pouggy qui passe derrière. On est quel jour? On est le... J'avais dit le 8. Donc oui, on se retrouve donc mardi prochain. Avec un peu de chance sur du Sea of Thieves, sinon j'aviserai, j'essaierai peut-être de changer de jeu, on verra. Et bien sur ce, passez une bonne soirée, et puis à mardi prochain. Ah, j'ai oublié de préciser. Bon, vous allez me dire, comme d'habitude, hein. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch, de suivre la chaîne YouTube, où vous avez toutes les rediffs, et le Twitter sur lequel j'annonce les prochains jeux, et où je mets les liens vers les différentes rediffusions. Voilà, là, vous pouvez passer une bonne soirée. Allez tout le monde !